Le cadeau. Léonide Andreïev. Tu viendras me voir? Demanda Sénista pour la troisième fois. Et pour la troisième fois, Sazanka s'empressa de répondre. Mais oui, ne t'en fais pas. Pour sûr que je viendrai. De nouveau, ils se turent. Sénista était couché sur le dos, couvert jusqu'au menton d'une couverture d'hôpital grise, et fixait Sazanka avec insistance. Il avait envie que Sazanka reste plus longtemps. Que, du regard, il lui confirme encore une fois sa promesse de ne pas l'abandonner à la solitude, à la maladie et à la peur. Sazonka, lui, avait bien envie de s'en aller, mais il ne savait comment s'y prendre sans faire de peine au petit garçon. Il se grattait le nez, dégringolait de sa chaise, puis se rasseyait résolument, comme s'il comptait passer toute sa vie ici. Il serait bien resté plus longtemps s'il avait su de quoi parler, mais il n'avait rien à dire. Les pensées qui lui venaient à l'esprit étaient idiotes. Il les trouvait ridicules et en avait honte. Il avait tout le temps envie, par exemple, d'appeler Sénista par son patronyme, Sémion Erofeyevitch, ce qui était d'un ridicule achevé. Sénista était un gamin, un apprenti, alors que Sazonka était un artisan d'un âge respectable et un ivrogne. Si on l'appelait Sazonka, c'était uniquement par habitude. À peine 2 semaines plus tôt, il avait flanqué à Sénista sa dernière taloche, ce qui était très mal. Mais cela non plus, il ne pouvait pas en parler. Sazonka recommença à glisser résolument de sa chaise, mais, sans avoir mené à bien ses intentions, se rassit tout aussi résolument et déclara, d'un ton à la fois réprobateur et réconfortant, « Eh bien, voilà où nous en sommes. Tu as mal, hein? » Sénista acquiesça d'un signe de tête et répondit doucement, « Vas-y, sinon il va te gronder. »« Ça, c'est vrai, » fit Sazonka, enchanté du prétexte. « Il me l'a bien dit. » Reviens vite, qu'il a dit. Tu l'emmènes là-bas et tu reviens à la minute, et pas une goutte de vodka. Voilà ce qu'il a dit. À présent qu'il savait qu'il pouvait s'en aller à tout moment, Sazonka éprouvait un vif sentiment de pitié pour ce Sénista avec sa grosse tête. Tout l'environnement, inhabituel, incitait à la pitié. Les lits en rang serré, occupés par des gens pâles et tristes, l'air, dont le moindre atome était imprégné d'une odeur de médicaments et de relents de corps malades, la conscience de ses propres forces, de sa propre santé. Ne cherchant plus à éviter le regard implorant, Sazonka se pencha vers Sénista et répéta d'une voix ferme. « Écoute, Sémion, Sénia, ne t'en fais pas, je viendrai. Dès que j'ai du temps libre, je passe te voir. C'est qu'on a aussi un cœur, nous autres. Bon Dieu, nous aussi on sait ce que c'est. Cher petit, tu me crois, hein? » Un sourire sur ses lèvres bleuies et gercées, Sénista répondit. « Je te crois. » Bon. » s'écria triomphalement Sazonka. Maintenant, il se sentait bien, le cœur léger. Il pouvait désormais parler de la taloche donnée sans y penser 2 semaines plus tôt. Il y fit prudemment allusion en effleurant l'épaule de Sénia. « Et si on t'a donné un coup sur la tête? Ce n'était pas bien méchant. Sapristi, c'est qu'elle est bien tentante, ta tête, tu sais, toute rasée comme ça. » Sénista sourit de nouveau, et Sazonka se leva. Il était très grand. Ses cheveux frisottés, qu'il peignait fréquemment, se dressaient de façon cocasse sur son crâne en un superbe toupet. Ses yeux gris, tout bouffis, étincelaient et souriaient malgré lui. « Bon, à la revoyure » dit-il, mais il ne bougea pas. Il avait fait exprès de dire « à la revoyure » et non « au revoir », parce que c'était plus affectueux. Mais maintenant, cela ne lui semblait pas suffisant. Il fallait quelque chose d'encore plus affectueux, d'encore plus gentil. Quelque chose après quoi Sénista se sentirait mieux sur son lit d'hôpital, et lui-même partirait le cœur plus léger. Il piétinait, mal à l'aise, comique dans sa confusion enfantine, quand Sénista le tira de nouveau d'embarras. « Au revoir, » dit-il de cette voix d'enfant fluette qui lui valait d'être surnommée la flûte. Et en toute simplicité, comme un adulte, il sortit sa main de dessous la couverture et la tendit à Sazonka, d'égal à égal. Sazonka, sentant que c'était justement cela qui lui manquait pour se sentir parfaitement en paix, prit avec respect les doigts minces dans son énorme patte, les serra un instant et les lâcha en soupirant. Il y avait dans le contact de ses petits doigts minces et brûlants une mystérieuse tristesse, comme si Sénista était non seulement l'égal de tous les hommes sur cette terre, mais plus haut et plus libre qu'eux. Et c'était parce qu'il se trouvait désormais au pouvoir d'un maître invisible, mais terrible et puissant. Maintenant, on pouvait l'appeler Sémion Erofeyevitch. Alors, tu viendras? Demanda pour la quatrième fois Sénista, et cette prière chassa la présence terrible et impressionnante qui, pendant un instant, avait projeté sur lui l'ombre de ses ailes silencieuses. Il était redevenu un petit garçon malade qui souffrait, et de nouveau, il faisait pitié, terriblement pitié.
Quand Sazonka sortit de l'hôpital, il fut poursuivi encore longtemps par l'odeur des médicaments et la voix implorante. Tu viendras me voir? Étendant les bras, il répondait. Cher petit, c'est qu'on a aussi un cœur, nous autres. 2. Pâques approchait, et il y avait tant de vêtements à coudre que Sazonka ne trouva le temps de boire qu'une seule fois, le dimanche soir, et encore, pas jusqu'à tomber ivre-mort. Toute la journée, or c'était de longues et claires journées de printemps, du premier au dernier chant du coq, il était assis à sa fenêtre sur son tréteau, les jambes croisées en tailleur, les sourcils froncés, sifflotant d'un air réprobateur. Le matin, la fenêtre se trouvait à l'ombre, et un courant d'air froid soufflait par les fentes entre les planches. Mais vers midi, le soleil découpait une étroite bande jaune dans laquelle la poussière dansait en petites particules scintillantes. Au bout d'une demi-heure, tout le rebord de la fenêtre jonché de chutes de tissu et de ciseaux flambait d'une lumière aveuglante, et il se mettait à faire si chaud qu'il fallait ouvrir la fenêtre en grand, comme en été. Avec l'air frais et grisant, imprégné d'une odeur de fumier pourrissant, de boue séchée et de bourgeons qui s'ouvraient, une mouche étourdie, encore faiblichonne, entrait en voletant, apportant avec elle les divers bruits de la rue. Sur le sol, près du banc en terre, des poules farfouillaient et caquetaient avec délices en se blottissant dans des trous ronds. De l'autre côté de la rue, déjà séchée par le soleil, des gamins jouaient au babki. Leurs cris bigarrés et retentissants, ainsi que le choc de la plaque de fonte contre les quilles, résonnaient, plein de fougue et de fraîcheur. Il y avait peu de trafic dans cette rue, située dans les faubourgs d'Orel. Juste de temps à autre un paysan du coin qui passait au petit trot, sa carriole tressautée sur les ornières profondes, encore remplies de boue liquide. Et le cliquetis des planches en bois qui s'entrechoquaient évoquait l'été, l'immensité des champs. Quand Sazonka commençait à avoir le dos cassé et que ses doigts engourdis ne pouvaient plus tenir l'aiguille, il se précipitait dehors, pieds nus et sans ceinture, tel qu'il était. Franchissait les flaques à pas de géant et se joignait aux gamins qui jouaient. « Allez, laissez-moi faire un coup » demandait-il, et une dizaine de mains sales lui tendaient une plaque, une dizaine de voix s'écriaient. « Pour moi! Joue pour moi, Sazonka !» Sazonka choisissait la plaque la plus lourde, retroussait ses manches et, prenant une pose de lanceur de disque, évaluait la distance en plissant les yeux. La plaque s'envolait de sa main avec un léger sifflement, rebondissait librement, atterrissait en souplesse au milieu de la longue rangée de quilles qui s'éparpillait en une pluie multicolore, et les gamins saluaient son coup par des cris tout aussi multicolores. Après avoir joué plusieurs fois, Sazonka faisait une pause et disait aux gamins « Sénista est encore à l'hôpital, les enfants ». Mais les enfants, plongés dans leur passionnante occupation, accueillaient la nouvelle avec froideur et indifférence. « Ce serait bien de lui faire un cadeau. J'irai le porter », poursuivait Sazonka. Le mot « cadeau » provoquait une réaction. Mishka Porosenok, remontant son pantalon d'une main et tenant de l'autre le bord de sa chemise remplie de quilles, donnait gravement son avis. Tu n'as qu'à lui donner 10 kopecks! C'était la somme que son grand-père lui avait promise, et sa conception du bonheur n'allait pas plus loin. Mais Sazonka n'avait pas le temps de parler longuement du cadeau, et toujours à pas de géant, il retournait chez lui et se remettait au travail. Il avait les yeux bouffis, son visage était d'une pâleur jaunâtre comme celui d'un malade. Et les taches de sang sous ses yeux et sur son nez paraissaient plus nombreuses et plus foncées. Seuls ses cheveux soigneusement peignés formaient toujours le même toupet cocasse, et quand son patron, Gavril Ivanovitch, le regardait, il voyait aussitôt une petite taverne rouge bien confortable et de la vodka. Il crachait alors d'un air féroce et se mettait à jurer. Sazonka avait la tête lourde et les idées embrouillées. Pendant des heures, il tournait et retournait maladroitement la même pensée. Il songeait à de nouvelles bottes ou à un accordéon. Mais la plupart du temps, il pensait à Sénista et au cadeau qu'il lui apporterait. La machine à coudre cliquetait, monotone et endormante. Le patron criait et le cerveau fatigué de Sazonka se représentait toujours la même scène. Comment il arrivait à l'hôpital et remettait à Sénista le cadeau enveloppé dans un mouchoir d'indienne liserée. Souvent, abruti par une lourde torpeur, il oubliait qui était Sénista et n'arrivait pas à se rappeler son visage. Mais le mouchoir liseré qu'il fallait acheter, il le voyait de façon vivante et claire. Il avait même l'impression que les nœuds n'étaient pas assez serrés. Et à tout le monde, au patron, à la patronne et aux gamins, Sazonka disait qu'il irait voir le garçon sans faute le lendemain de Pâques. Il le faut, assurait-il. Je me coifferai et j'irai le voir à la minute. Tiens, cher petit, c'est pour toi. Mais en disant cela, c'est autre chose qu'il voyait. Les portes grandes ouvertes d'une taverne rouge et dans leurs profondeurs obscures, un comptoir taché de torboyaux. La triste conscience de sa faiblesse, à laquelle il était incapable de résister, lui poignait le cœur, et il avait envie de crier, d'une voix forte et insistante. J'irai voir Sénista,
J'irai le voir. Mais sa tête se remplissait d'un brouillard grisâtre et flou, sur lequel ne se détachait plus que le mouchoir d'indienne. Et ce n'était pas de la joie qui émanait de ce mouchoir, mais un reproche sévère et un avertissement lourd de menaces. 3. Le lendemain et le surlendemain de Pâques, Sazonka s'enivra, se bagarra, se fit tabasser et passa la nuit au poste. C'est seulement le troisième jour qu'il fut en état de rendre visite à Sénista. Les chemises en coton et l'éclat joyeux des dents blanches grignotant des graines de tournesol émaillaient de taches vives la rue inondée de soleil. Des accordéons jouaient à tue-tête, des plaques de fonte cognaient sur des quilles, et un coq chantait à gorge déployée, défiant le coq du voisin. Mais Sazonka ne se laissait pas distraire. Son visage à l'œil tuméfié et à la lèvre fendue était sombre et concentré. Même ses cheveux ne moussaient plus en un toupet frisé, mais se dressaient, l'air un peu perdu, en mèche solitaire. Il avait honte de son ivrognerie et de sa promesse trahie, et regrettait de se présenter à Sénista, non dans toute sa splendeur, en chemise de laine rouge et en gilet, mais avec la gueule de bois, lamentable et empestant la vodka. Mais plus il approchait de l'hôpital, plus il se sentait le cœur léger, et ses yeux se baissaient de plus en plus souvent vers sa main droite qui tenait précautionneusement le baluchon contenant le cadeau. À présent, le visage de Sénista lui apparaissait de façon tout à fait nette et vivante, avec ses lèvres craquelées et son regard suppliant. Cher petit, non mais je vous le demande un peu, Seigneur, disait Sazonka, et il accélérait considérablement le pas. Voilà l'hôpital, une énorme bâtisse jaune avec des fenêtres au cadre noir, si bien qu'on dirait des yeux sombres et maussades. Et voilà le long couloir, l'odeur de médicaments, un vague sentiment d'angoisse et de tristesse. Voilà la chambre, le lit de Sénista. Mais où donc était Sénista? Vous cherchez qui? Demanda une infirmière qui était entrée derrière lui. Il y avait un petit garçon ici, Sémion. Sémion Erofeyev, ici, à cet endroit. Il montra du doigt le lit vide. Il faut se renseigner d'abord, sinon on se casse le nez, dit brutalement l'infirmière. Et ce n'est pas Sémion Erofeyev, mais Sémion Poustochkine. Erofeyev, c'était son patronyme. Son père s'appelait Erofey. Alors lui, il s'appelle Erofeyevitch, expliqua lentement Sazonka en devenant terriblement pâle. Il est mort, votre Erofeyev. Mais nous, on ne connaît pas le patronyme. Pour nous, c'est Semyon Poustochkine. Il est mort, je vous dis. Ça alors, s'exclama poliment Sazonka, si pâle que ses taches de rousseur se détachaient nettement sur son visage, comme des éclaboussures d'encre. Quand ça? Hier, après les vêpres. Est-ce que je pourrais? Balbutia Sazonka. Pourquoi pas? Répondit l'infirmière avec indifférence. Demandez où est la morgue, on vous indiquera. Allez, ne le prenez pas si à cœur. C'était un gringalet. Il n'aurait pas fait de vieux os. La langue de Sazonka demanda son chemin poliment et posément. Ses jambes le portèrent fermement dans la direction indiquée, mais ses yeux ne voyaient rien. Ils ne commencèrent à voir que lorsqu'ils se posèrent fixement sur le corps mort de Sénista. Il sentit alors le froid terrible qui régnait dans la morgue, et il vit enfin tout ce qui l'entourait. Les murs maculés de taches grises, la fenêtre couverte de toiles d'araignées. Le soleil avait beau briller à travers cette fenêtre, le ciel avait toujours l'air gris et froid, comme en automne. Une mouche inquiète bourdonnait de façon intermittente, de l'eau gouttait quelque part, une goutte tombait. Toc, toc. Et son bruit plaintif et sonore résonnait longtemps dans l'air. Sazonka recula d'un pas et dit à voix haute: À la revoyure, Semyon Erofeyevitch. Puis il tomba à genoux, frôlant de son front le sol humide, et se releva. Pardonne-moi, Semyon Erofeyevitch, dit-il, toujours aussi fort et aussi distinctement, et il retomba à genoux, pressant longtemps son front contre le sol jusqu'à ce que le sang lui montât à la tête. La mouche avait cessé de bourdonner. Il régnait un silence comme on n'en rencontre que dans les lieux où se trouve un mort. À intervalles réguliers, des gouttes tombaient dans une cuvette en fer-blanc. Elles tombaient et pleuraient, doucement, tendrement. 4. Juste derrière l'hôpital, la ville prenait fin, laissant place à un champ, et Sazonka se mit à marcher. Plat, sans un arbre et sans une construction, le champ s'étendait à perte de vue, et l'on aurait dit que la brise était sa respiration, tiède et libre. Sazonka commença par marcher sur une route desséchée, puis tourna à gauche, et, traversant des terres en jachère et des moissons de l'an passé, se dirigea vers la rivière. La terre, encore humide par endroits, gardait après son passage la trace de ses pieds, avec les trous sombres des talons. Sur la berge, Sazonka s'allongea dans un petit creux couvert d'herbe, où l'air était immobile et tiède comme dans une étuve, et il ferma les yeux.
Les rayons du soleil traversaient ses paupières fermées en vagues chaudes et rouges. Très haut dans le bleu du ciel chantait une alouette. C'était agréable de respirer, de ne penser à rien. La rivière était déjà baissée, elle coulait en un mince ruisseau. Mais l'autre rive, au loin, gardait les traces de son effervescence. D'énormes blocs de glace spongieux. Ils gisaient en vrac, les uns sur les autres, et dressaient leurs pyramides blanches vers les rayons de feu impitoyables qui, petit à petit, les affûtaient et les creusaient. Sazonka, tout somnolent, tendit la main et rencontra quelque chose de dur enveloppé dans du tissu. Le cadeau! Se relevant précipitamment, il s'écria. Seigneur! Mais qu'est-ce que c'est? Il avait complètement oublié le baluchon et le considérait d'un regard effaré. Il avait l'impression que ce baluchon était arrivé ici tout seul et il avait peur de le toucher. Il le regardait fixement, submergé par une pitié tumultueuse, bouillonnante et par une colère folle. Il regardait le mouchoir d'Indienne et il voyait Sénista qui l'attendait un jour, deux jours, trois jours, et le voyait se tourner vers la porte, mais Sazonka ne venait pas. Il était mort seul, oublié de tous, comme un chiot que l'on jette aux ordures. Dire que si Sazonka était venu un jour plus tôt, il aurait vu le cadeau de ses yeux voilés, son cœur d'enfant se serait réjoui et son âme serait montée au ciel sans souffrance, sans cette affreuse angoisse de la solitude. Enfonçant les mains dans ses cheveux épais, Sazonka pleurait et se roulait par terre. Il pleurait et, levant les bras au ciel, se justifiait lamentablement. « Seigneur, c'est que nous autres aussi on a un cœur !» Il s'effondra, sa lèvre fendue contre la terre et s'abîma dans un accès de chagrin muet. L'herbe toute fraîche lui chatouillait doucement et tendrement le visage. De la terre humide montait une odeur épaisse et apaisante qui recelait une force puissante et une invite passionnée à la vie. Telle une mère éternelle, elle prenait dans ses bras son fils pécheur et abreuvait son cœur souffrant de chaleur, d'amour et d'espoir. Au loin, sur la ville, carillonnaient à qui mieux mieux les joyeuses cloches de Pâques. Thank you.